Hij scoorde tegen FC Dordrecht maar liefst 4 keer. De laatste die dat deed voor Utrecht was Igor Klusevic 15 jaar geleden. Toen was Aller pas 5 jaar oud. Midden kijken. Met de treffer! Het is Klusevic! Wat een middag heeft die van zich! Zijn 4e treffer! Je kon niet du tout. Alle ballen moesten naar Aller. Dat was de tactiek. Er werd veel verwacht en gevraagd van de jonge Fransman. Wat vooral bij zijn doelpunten opvalt, is dat hij zo koelbloedig is. Forcément de l'excitation. Après au fil des matchs, on arrive et on essaye justement de canaliser un petit peu toute cette excitation en essayant d'avoir le plus de sang-froid possible pour finir les actions parce qu'on sait que c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir bien finir les actions. Dat hij 4 doelpunten maakte kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Chanté en tout cas que ça pouvait très bien se passer vu que les gens, le staff, vraiment tout le club, les équipes, les coéquipiers, tout le monde m'a mis dans des super conditions. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour eux, je me devais aussi de faire quelque chose de bien. Et on travaille bien ensemble et c'est la récompense de tout ça. Tijdens de wedstrijd werd Aller veel toegezongen door het publiek. Ook al spraken ze zijn naam net even iets anders uit. Si, on a. Je reconnais parce que voilà, durant toute ma vie, j'ai eu droit à plusieurs prononciations. Donc j'ai pu un peu reconnaître ça. Ça m'a pas gêné. Haller, tu le comprends. Je le comprends. In zijn professionele carrière heeft Aller nog nooit een penalty gemist. Tegen Dordrecht pakt hij zijn kans. On en a parlé bien avant le match sur les pénalties, on rigolait un petit peu dessus et sur le pénalty qu'il y a eu contre RNVN, je lui dis la prochaine tu me la laisses et il a tenu parole. Bijna alles wat hij die dag aanraakte veranderde in goud. Toch werd hij op een gegeven moment gewisseld. Non, honnêtement, j'étais assez fatigué et je me suis dit que c'était bien, que c'était le moment de laisser ma place à Rubio qui a aussi besoin de temps de jeu vu aussi son jeune âge et j'ai pensé avoir fait un bon match donc je pense que c'était le moment de laisser ma place vu que malgré ses buts je pense que j'aurais pas pu forcément apporter encore grand chose à l'équipe. On l'a vu, je suis sorti, il y a eu encore 2 buts donc c'est une bonne chose de la part du coach. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Et c'est une réelle émotion. J'ai vraiment apprécié tout ce geste de la part des supporters, du coach aussi. Et je remercie aujourd'hui que ce soit les supporters, l'équipe, les gens qui m'ont fait confiance pour venir ici. In één klap kent heel Utrecht Sébastien Aller. Maar hij heeft nog geen last van zijn bekendheid. Non, je vais pas souvent en ville. Non, je vais pas souvent en ville, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense pas. De Fransman is gehuurd van Auxerre en er is een optie tot kopen. Zelf zou hij best willen blijven in Utrecht. Oui, pourquoi pas? C'est vrai que ici j'ai eu la chance de jouer, de pouvoir m'exprimer. Il y a quelque chose qui me permet de progresser, de bien travailler tous les jours. Hij is de held van de wedstrijd tegen Dordrecht. Toch blijft hij met beide benen op de grond. Je suis content, non, je pense pas être un héros, juste j'ai eu la chance de réaliser un match extraordinaire et je suis content que ça puisse plaire à tout le monde et moi en premier.